Bonjour tout le monde. Alors comme vous le voyez, je suis en train de faire un portrait de la jeune fille à la perle. Et donc ce portrait, bien je le fais au fusain ou au bâton de charbon, hein, qu'on appelle, je pense, en français, on appelle ça le fusain. Charcoal stick en anglais. Alors voilà, donc en faisant ce portrait, eh bien, je me suis dit que eh bien, je vais vous montrer comment fabriquer le fusain vous-même. Pour ceux qui ont un jardin, qui ont la possibilité de peut-être un barbecue, quelque chose où on peut faire du feu, ou une cheminée, pourquoi pas une cheminée. Alors pour ceux qui ont donc la facilité de se faire un petit feu, eh bien vous pouvez fabriquer votre fusain vous-même. Donc voilà, donc j'ai quelques crayons ici, ou quelques bâtons de saule. Ceux-ci sont des bâtons de charbon en saule, et au niveau de la qualité, ça marche très bien. Ça vaut tous les... Ça vaut tous les fusains que vous pouvez acheter dans un magasin. Donc voilà. Donc les miens, donc, comme je disais, sont en saule, parce que c'est ce que j'ai autour ici. Donc ça peut se faire en saule ou en sarment de vigne également, ou un bois tendre. Mais le plus commun, c'est le saule et donc les sarments de vigne également. Donc, eh bien, je vais vous emmener dans mon jardin et je vais vous montrer comment fabriquer ça en deux étapes. Ça va être très, très, très simple. Ça va être quelque chose de très facile à faire et je pense que vous allez bien vous amuser à le faire vous-même. Alors faites bien attention, ce n'est pas sans danger puisque il y a feu. Donc faites très attention à votre environnement et prenez toutes les sécurités nécessaires. Tout comme si vous faisiez votre petit barbecue ou votre feu de cheminée. Donc faites attention pour eh bien, vous protéger vous-même et votre environnement également. Donc voilà, allez, je vous emmène dans le jardin. Je suis allé ce matin chercher quelques branches de saule. Et puis, eh bien, on va voir comment eh bien, se faire nos fusains. Alors, nous voilà dehors. Et j'ai donc préparé les bouts de bois ici, donc mes bouts de saule qu'il faut préalablement écorcer. Alors la façon dont je m'y prends, c'est donc je prends mon morceau de saule, puis je fais une entaille de haut en bas pour séparer ensuite l'écorce. Si vous ne pouvez pas garder l'écorce parce que ça gratterait trop à l'utilisation. Donc voilà, on enlève l'écorce, comme ceci. Puis je le coupe à la taille voulue. Ici, j'ai préparé quelques bâtonnets. Je vais rajouter ces deux-là. Ce sera pour le papier aluminium. Alors, on a dit que nous aurons deux façons de le faire. Un, c'est la boîte, où j'ai déjà mis... Donc c'est une boîte à crayons en ferraille où j'ai déjà mis donc les bâtons écorcés. Donc on le ferme. Puis ce que je fais avec du fil de fer, n'importe lequel, et j'ai celui-ci donc pour attacher les tomates ou autre. C'est donc un fil de fer au milieu ici. Je vais donc attacher ma boîte qu'elle reste fermée. Alors il faut la remplir suffisamment pour avoir le moins d'air possible à l'intérieur. Voilà, donc maintenant bien je vais fermer le plus serré possible.
quelques tours, comme ceci. Puis, tout simplement, je viens entortiller ici. Voilà, et là, elle est prête à aller au feu. Bon, j'ai mis un trou ici au milieu, juste un petit trou pour laisser échapper le gaz. Lorsque ça va faire du charbon, il y a des gaz qui vont s'échapper. Voilà, deuxième solution, la deuxième façon de faire, c'est d'avoir 6 feuilles d'aluminium. Puis vous y mettez donc vos bâtons. La feuille d'aluminium, ça marche très bien, vous verrez le résultat. Puis le plus serré possible. Voilà, et on fait ça 6 fois. Donc ça équivaut un petit peu à la boîte, mais lorsqu'on n'a pas de boîte, bien sachez que l'aluminium c'est suffisant. Voilà, et la dernière. Ensuite, pareil, j'y perce juste un trou au milieu pour laisser échapper donc les gaz. Voilà. Donc voilà mon feu ici, j'utilise le barbecue. Je vais d'abord mettre donc la boîte en fer en plein milieu, comme ceci. Voilà. Puis dans un petit moment, parce que en général le papier aluminium prend un tout petit peu moins de temps. Mais bon, aujourd'hui, comme ils sont assez gros, je vais le mettre je vais le mettre en même temps en fait. On verra le résultat. Donc voilà, je le mets à côté. Puis au fur et à mesure, eh bien, on rajoutera un petit peu de bois par-dessus et on va le laisser brûler pendant 1 h 30 à peu près, selon les grosseurs du bâton. Et voilà, 1 h 30, ça devrait le faire. Allez, on se revoit après pour le résultat. Donc voilà, je l'ai sorti du feu il y a à peu près 1/2 heure, après 1 h 30. Et voilà le résultat. Alors, ce qui s'est passé. Alors, attendez. On va tourner ça. Comment je fais pour faire ça? Hop. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le papier aluminium, il s'est déchiré. Sûrement qu'il y a un bout de bois qui est tombé dessus. Donc, il y a des morceaux qui ont brûlé et qui n'ont pas fait vraiment du charbon. Toujours est-il que, au bout, au fond, là, on peut récupérer quelques petits morceaux. Voilà, c'est dommage, c'est bien dommage. Voilà, ceux-là, ils sont bons, là. Ces bouts-là, ils sont bons. Voilà, mais bon, c'est dommage que ça soit cassé. Bref, donc voilà, un bon bout de charbon. Et ça marche très bien. Donc, bon, toi, tout est perdu. Alors, la boîte. Voilà, donc là tout ça c'est bon, hein. Tout ça c'est bon. C'est difficile à filmer, tenir le téléphone et filmer en même temps.
Mais bon, voilà, tout ça. Ça va très bien. Donc voilà, on a quelques bons morceaux là à utiliser. Nous voilà donc de retour à l'atelier et donc j'ai mon petit pot de fusain là. Donc voilà. Hein. Alors ils sont peut-être pas toujours droits, mais bon, ça fait l'affaire. Hein. Si vous... Voilà. Et donc comme j'ai démontré, et eh ben ça fonctionne très bien. Alors, il y en a qui sont vraiment de travers. Mais donc voilà comment vous pouvez faire vos fusains. Hein. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a aidé. C'était une courte vidéo, donc une vidéo pratique. Ça change un petit peu. Et bien très très vite, dans quelques jours, là 2-3 jours, je vais faire donc une autre petite vidéo. Et bien je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est Boris de la chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Au revoir à tous et bonne peinture.